périphérie d'ici en Espagne, de partout ailleurs, hein, bien évidemment, hein, même au-delà d'Europe. Non, nous sommes samedi, donc je suis toute seule, je me suis occupée de mes cheveux, comme tu le vois, j'ai une couleur rouge cachemire, ça pète, hein, pour l'hiver, et je vais m'occuper du gaz, parce que je vais gérer à ma façon le gaz. Je t'en parle pour te donner un exemple, après, chacun fait à sa façon. La gestion du gaz en Espagne. Donc, comme je te l'ai montré précédemment, ça c'est Manuelo qui m'a installé cet adaptateur pour la lire française. Et là, j'ai une bouteille de gaz propane espagnole. Ici, j'ai une bouteille de gaz propane française. Donc, j'ai laissé Manuelo installer l'adaptateur et la bouteille de propane pour voir si ça fonctionnait. Donc, pour rappel, j'ai payé 13 euros la bouteille de propane espagnole. Il n'y a pas d'histoire de consigne. Donc, ce que je veux faire maintenant, c'est changer, mettre la lire auprès de la bouteille de propane française pour finir cette bouteille. Je t'explique le pourquoi après. Donc voilà en gros plan l'adaptateur espagnol, c'est un clip, il faut simplement ça se baisse et ça se lève là. Là c'est une grosse vis et voilà, ça s'adapte. C'est ça qui ça doit s'adapter à la lire française. Donc là je viens de remettre, comme je t'ai dit, le propane français, je vais la finir. Puisque je vais rester quelques temps en Espagne, celle-ci je vais l'enlever. Une fois qu'elle sera vide, j'ai la chance d'avoir une grande soute et je n'utiliserai, pardon, que le propane espagnol qui est quand même à 13 euros et je rendrai la bouteille espagnole lorsque je quitterai l'Espagne, quoi. Tout simplement. Au Portugal, on verra. Et là, je sais qu'il y a une petite cassie, voilà. Un cassie, tu t'es caché dans la soute. Bon, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une grande soute. Donc pour le moment, le GPL, donc je l'ai mis là, il est vide. Le réservoir de GPL est vide. Et après, je le remettrai lorsque j'aurai mon propane français fini. Parce que de temps en temps, je peux remplir de nouveau dans une station, éventuellement Repsol, le GPL en Espagne. Mais pas de partout. Parce que c'est un peu, bon, c'est un peu hors la loi. Et donc, certaines stations ne veulent pas. Tu vois, en gros plan, mon arrosoir que j'ai toujours à portée de main. Et la Miss Cassie qui reste dans la soute. Cassie! Cassie! Allez, viens là! Tu vas pas rester dans la soute! Cassie, s'il te plaît, allez, sors de là! Allez! Bon, il va falloir que je trouve un moyen de la sortir. Je crois que je vais ouvrir de l'autre côté. Alors, ne t'inquiète pas, ma soute est bien pleine, mais il y a beaucoup de choses qui ne pèsent pas grand-chose. Comme ce sac-là, c'est le sac du tapis pour aller dehors. Puis après, j'ai quelques vêtements, j'ai des petites choses comme ça. Et l'espèce de frite rouge que tu vois que Cassie est en train de jouer avec, c'est simplement parce que je vais la couper pour mettre sur les, comment on appelle ça, les piquets du store, pour mettre en évidence les piquets du store pour que personne ne se prenne les piquets dans la tête. Cassie, tu sors ou pas? Tu nous fais un petit coucou? Tu m'aides vraiment beaucoup avec le gaz. Bon, tu viens? Allez! Allez, viens, ma Cassie, viens. Allez, sors de là. Oh là là. Allez! Allez, viens là, coquinette. Bon, elle veut vraiment s'installer ici. T'es bien là. Oui, c'est un endroit caché, elle est tranquille. Mais moi, ça ne me plaît pas du tout, Cassie, si. Bon, ben tant pis, je ferme. Au revoir. Après au moins 15 minutes, Cassie est enfin sortie de la soute. Bon, j'espère que tu as compris le principe, ma logique. C'est-à-dire, je me donne deux possibilités de gaz en Espagne. Le GPL de temps en temps, parce que finalement, je me rends compte que Chrissa a eu un petit peu de difficulté à en trouver. Et il faut faire le plein un petit peu en cachette parce qu'on n'a pas trop le droit en Espagne. Et je me garde le gaz espagnol, puisque là je vais y rester quelques temps, je sais que j'y reviendrai de toute façon. Donc je préfère avoir chaque adaptateur de chaque pays, comme ça je suis libre, je ne suis pas bloquée
au cas où il y a un problème technique. Et ma bonbonne de propane française, je peux la garder vide dans ma soute. Donc c'est ce que je vais faire pour quand je retournerai en France. Mais les différences de prix font mal, hein. Donc je récapitule, la bonbonne de propane en Espagne, c'est 13 euros, il n'y a pas d'histoire de consigne. J'ai investi 12 euros dans l'adaptateur qui pourra me servir à vie. Le propane pour faire le plein, pardon, le GPL pour faire le plein, c'est à peu près 16-17 euros pour remplir la bonbonne. Il y a une marge, hein, c'est pas rempli à 100%, hein. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et ensuite, le propane français, c'est à peu près, alors là, ces temps-ci, je sais qu'il y a eu des augmentations en France, c'est entre 35 et 37 euros, suivant les personnes qui nous ont dit, pour reprendre une bonbonne de propane. Donc, je vais tenter de jongler avec ça, et lorsque je serai au Portugal, je verrai, je m'adapterai, parce que, soi-disant, on peut faire le plein de propane, blablabla. J'attends de le vivre avant de l'avancer moi-même parce qu'on me dit tellement, tellement de choses, un peu tout et n'importe quoi des fois, que maintenant je suis très, très méfiante. Bon, cheveux rouges cachemire, Madame de Feu vous dit ciao, ciao!